Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble iOS 10 a changé la façon de déverrouiller nos appareils. On va pouvoir, grâce à une manipulation, revenir en arrière et refaire que lorsqu'on déverrouille, on revienne sur l'écran d'accueil. Le fameux déverrouillage. Alors, souvenez-vous, avant, comment on faisait ? Avant, on déverrouillait, on faisait glisser vers la droite et apparaissait le panneau de contrôle des touches pour déverrouiller notre iPhone si on avait mis un code. 14h47. Souvenez-vous, c'était comme ça. Déverrouiller. Bouton. Champ du code. Aujourd'hui, c'est comme ça. Lorsqu'on glisse à droite, on arrive sur le panneau des widgets. Une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. Aujourd'hui, le déverrouillage se fait avec... Appuyez sur le bouton principal pour déverrouiller. Bouton. Appuyez sur le bouton principal pour déverrouiller. Ça veut dire que on va appuyer dessus. Et l'appareil se déverrouille. Alors, lorsqu'on va dans Réglages, Général, Accessibilité, on peut régler le Touch ID, puis simplement, sans appuyer sur le bouton, ouvrir notre iPad et arriver sur le bureau. Ce qui veut dire qu'ici, vous voyez, on pose le doigt, ça s'ouvre. Je le fais avec VoiceOver pour que tout le monde puisse bénéficier et entendre ce qui se passe. VoiceOver activé. Alors, ici, je refais, j'appuie et vous voyez instantanément, juste en laissant poser mon doigt, on arrive sur l'écran de l'iPad. Ce procédé reste un problème, c'est que on n'a pas accès à l'écran d'accueil puisque l'iPad s'ouvre instantanément. Pour pallier à ce problème, on va voir ça tout de suite dans Réglages, Général, Accessibilité, bouton principal. Alors l'avantage en appuyant sur le bouton Home, le bouton Home de votre iPhone ou de votre iPad, il va rester bloqué sur l'écran d'accueil. On va donc aller dans Général, Accessibilité, bouton principal, bouton. Touché pour ouvrir, activer. Ouvrez votre iPad avec Touch ID sans devoir appuyer sur le bouton principal. Voilà, c'est ici que c'est important. Lorsqu'on installe iOS 10, il est coché normalement par défaut. On va le décocher. Toucher pour ouvrir. Activer. Désactiver. Désactiver. Voilà. Alors, une petite astuce en passant. Maintenant qu'on a fait notre réglage, vous allez tout simplement positionner votre main avec les 5 doigts ouverts. Posez vos 5 doigts et refermez vos doigts d'un seul coup. Cela fermera la page. Voilà, c'est instantané. Donc maintenant, l'avantage, elle est que en décochant ce bouton, ici, 18h37. Si j'appuie sur mon Touch ID, regardez, ici, comme vous voyez, si je mets mon pouce qui sert normalement à déverrouiller mon appareil, il ne se déverrouille pas. Ici, j'ai mon bouton. Appuyez sur le bouton principal pour ouvrir. D'appuyer sur le bouton principal si je veux déverrouiller. FaceTime. Et ici, sans problème, toucher deux fois l'appareil se déverrouille. Donc comme bouton vous pouvez voir ici, à droite. Je ne peux pas déverrouiller. Je pose mon doigt sur mon Touch ID. Il n'est toujours pas à déverrouiller. Et si j'appuie, mon appareil FaceTime se déverrouille. Alors l'avantage, c'est que ça me permet de rester positionné sur l'écran d'accueil. Le petit bruit significatif qui nous dit qu'on n'a pas pu déverrouiller et ce qui nous permet aujourd'hui rechercher à gauche texte, faire glisser l'écran rapide avec 3 doigts de la gauche vers la droite pour avoir accès au panneau des widgets. Si je fais glisser 3 doigts de la droite vers la gauche, j'ai mon appareil photo. Appareil photo. Et voilà, donc grâce à cette technique, vous allez pouvoir avoir accès à votre écran d'accueil et pouvoir jouer avec les différentes possibilités que nous offre iOS 10 dans sa nouvelle version. La vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que cette petite astuce vous aura aidé à bloquer votre écran d'accueil. Réglage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager et surtout de partager les vidéos au plus grand nombre. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!